Pour ce débat sur la réincarnation et les vies antérieures, je pense que de tout temps, les hommes ont essayé de conjurer la mort, ils ont cherché l'immortalité, enfin, l'immortalité de l'âme. La réincarnation est très à la mode aujourd'hui. On peut se demander pourquoi, ce serait peut-être ma première question, Paco Rabanne. Écoutez, la réincarnation a été de tout temps, car toutes les premières religions monothéistes en parlent. L'Église chrétienne, catholique, l'occulte à partir de 532, mais on en a parlé beaucoup. Et c'est revenu à la mode il y a 10 ans à cause des techniques de réanimation, des comas profonds aux États-Unis, où les médecins américains ont recensé 10 millions de cas de gens revenant de comas profonds et qui étant d'origine diverse, de religions différentes, et racontant la même histoire, le décollement du corps, l'impossibilité de parler aux gens témoins de cet accident. Ensuite, le passage par ce tunnel gris argenté, l'arrivée dans un monde lumineux, la réception par un être de lumière que les uns appellent le Christ, les autres Bouddha, les autres Mahomet, ça dépend de leur religion. Et ensuite, de leur revenu dans leur corps et de la difficulté que ça engendre. Donc vous voyez, c'est un phénomène dont on parle beaucoup depuis 10 ans. Vous pensez que ce sont ces expériences proches de la mort, on a fait un débat là-dessus d'ailleurs ici à l'écran témoin, ces expériences proches de la mort qui ont déclenché le New Age. Cette interpellation au sujet de la réincarnation. Mais je crois que dans toutes les religions, on en parle. Personnellement, j'ai commencé à m'intéresser à cela à l'âge de 7 ans. Donc il n'y avait pas encore de New Age, il n'y avait pas de CNDE. C'est parce qu'à l'âge de 7 ans, j'ai eu l'heure ou le malheur ou le bonheur de faire des voyages astraux, simplement parce que j'avais un problème de manque de sommeil. Et enfant, j'ai voulu arrêter le temps. J'ai trouvé des techniques intérieures de respiration, d'écoute du cœur. Et par l'appui avec les paupières sur l'iris, ce que je ne savais pas provoquer, m'a dit un médecin, un coma superficiel, j'ai vraiment figé le temps et brusquement j'ai été pris dans une vitesse formidable, dans une espèce de tube argent, gris argent, et je me suis retrouvé dans un ciel constellé et très lumineux, avec ce fil d'argent qui me reliait, moi, mon corps éthéré et énergétique et le corps physique, ce qui m'a valu la plus grande peur de ma vie, et ça a déclenché tout le reste du processus. Donc vous avez eu l'impression, à ce moment-là, de sortir de votre corps matériel. Je suis sorti de mon corps, et car je du ne mal dormais à y rentrer. Pas. Et j'étais atterré parce que je ne comprenais pas, j'étais dans un milieu athée, marxiste, et donc pas du tout religieux, mais dans la Bretagne profonde des années 40, on me racontait des histoires de Corrigans, d'elfes, etc. Et je me suis dit, je suis absent de ce corps, quelqu'un d'autre va s'en emparer. Et j'ai eu très peur, une peur panique. J'ai essayé de faire bouger le corps physique et j'ai été aspiré par le corps avec beaucoup de difficultés parce que je ne savais pas que le corps énergétique est plus grand que le corps physique. Et il faut faire un effort énorme pour réintégrer son corps. Voilà. Et donc, vous avez eu à ce moment-là, vous, la vision de la réincarnation, d'un autre monde. Pendant ces voyages de réincarnation, il m'est apparu là-haut des images, d'abord des clichés, ensuite des séquences, et ensuite des films entiers au sujet d'un personnage central, que je me suis rendu compte que c'était moi. Mais à l'époque, dans la Bretagne profonde des années 40, il n'y avait ni radio, ni télévision, ni aucun moyen d'information. Je me voyais dans des situations dont je ne pouvais pas préjuger de l'histoire. Je ne connaissais pas ni les monuments, ni les costumes. J'ai retrouvé tout cela lorsque je suis rentré à Paris aux Beaux-Arts pour devenir architecte, et que là, brusquement, j'ai pu mettre des dates et repérer des lieux, et sur les lieux. Sur les visions que vous avez eues. Exactement. C'était donc, à votre avis, des vies antérieures que vous aviez eues. C'était le personnage central, c'était moi, je le savais, je le ressentais. Et c'est comme ça que vous êtes vu. Enfin bon, on va en parler évidemment de tout. Vous racontez ça dans votre livre, votre trajectoire, de toutes ces vies que vous avez vécues beaucoup jusqu'à présent. Je crois qu'il faut autant de vies pour une âme humaine pour atteindre un jour la dilatation ultime, c'est-à-dire l'unité pour retourner à Dieu. Il faut vivre suffisamment de vies pour atteindre cette conscience ultime. Ça peut être atteint en une seule vie. Il nous raconte la Bible avec l'histoire d'Élie, fou de Dieu, qui en une seule vie atteint le summum. Ou alors il faudra autant de vies qu'il est nécessaire pour atteindre cette perfection.
Bien, je vous propose de voir du côté des téléspectateurs à qui nous avons posé tout à l'heure la question, croyez-vous en la réincarnation? Voir quelles sont les premières réactions avant que cette discussion ne démarre ici autour de la table. François? Eh bien, Françoise, 3 personnes sur 4 environ nous dit qu'elle croit en la réincarnation. Les gens de toute croyance, de tous âges, de toute origine et de toutes les régions. Les sceptiques, ça on constate, les sceptiques n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Je ne comprends pas cet engouement pour ce genre d'affaires. Comme le spiritisme, tout cela ce ne sont que des illusions faites pour les crédules, ou faites pour les gens coincés, ou faites pour les gens qui ne s'assument pas. Plusieurs personnes nous expliquent aussi que cette vogue de l'irrationnel est plutôt inquiétante. Alors, un peu plus nuancé peut-être, mais intéressant. C'est très réconfortant pour les gens qui y croient, nous explique quelqu'un d'Andenne. Ils croient que leur petite vie ne va pas se terminer. Je pense que tout cela pourrait finalement être assez juste, mais alors, prouvez-le. Et effectivement, plusieurs personnes insistent là-dessus. Un étudiant de Liège, par exemple, on peut difficilement contrôler les assertions de ceux qui parlent de vie antérieure. Et on pourrait plutôt s'intéresser au fait suivant. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de penser à ce genre de choses? Est-ce que ce n'est pas parce que la mort fait peur? Quelqu'un conclut en disant « Je crois qu'il faut quelque part accepter sa mort et non pas la fuir d'une quelconque façon. » Est-ce que croire en la réincarnation, ce n'est pas une manière de fuir cette réalité? Bien, mais vous commencez presque par la conclusion qui est la mort. Est-ce qu'on croit à la réincarnation parce qu'on a peur de la mort, Yves Aumont? Aujourd'hui, je suis convaincu que oui. On a toujours eu peur de la mort. On a toujours eu peur de la mort, mais auparavant, on avait une vision très très saine des choses et on avait une peur horrible de la réincarnation. Qui? Tout le bouddhisme, par exemple, tout l'Orient, toutes les religions d'Orient, et je suis sûr qu'on vous le confirmera, disait « la réincarnation n'est pas une bénédiction, elle est une malédiction que l'homme appelle contre lui-même ». Et toute la tendance religieuse était justement d'échapper à ces réincarnations. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on trouve ça chouette. Et ça, mais je crois ne mettez pas en doute. Oui. Bien sûr que la réincarnation peut être une chose, c'est l'enfer. Pour nous sommes redescendus sur l'enfer. Tout à fait d'accord, ceci oui. est l'enfer. Nous avons hérité d'un corps de chair qui est soumis à toutes les pressions, désirs, vouloirs. Ceci ouais. est l'enfer. Bravo. Mais l'enfer est sur terre pour les bouddhistes en tout cas. L'enfer est mais ici. Écoutez, mais regardez, ouvrez les yeux. Chrétiens. Ouvrez les yeux. Si, mais ce soir, ça va. Mais nous vivons dans un monde qui est infernal, de guerre, d'envie, de désir, de meurtre, de crimes, de sang, d'enfants lâchés dans la rue qui meurent de faim, mm-hmm. 40 millions d'enfants au Brésil qui sniffent de la colle. Mm-hmm. C'est ça le monde matériel. Bravo. Et regardez le régime matériel, ce qu'ils ont fait, la raison appliquée en URSS. Oui. Hein, 70 ans de... Voilà la raison, le règne de la raison, de l'intelligence. Bravo, je préfère quand même le Moyen-Âge et le retour intérieur. Parce que si les gens qui croient à la réincarnation, c'est des gens qui ont peur de la mort et des demeurés, alors cet homme qui dit cela, qu'il mmh. réussisse d'abord matériellement dans la vie physique comme moi, qu'il ait ma notoriété et qu'il gagne le fric que je gagne. Alors on verra qui a les pieds sur terre, si c'est cet homme ou si c'est moi. Ça ne m'a pas empêché, malgré cette philosophie intérieure, cette poursuite intérieure, d'être bien dans la vie, les pieds sur terre et de faire ma place au soleil. Je démontre, si je parle aujourd'hui, oui. alors que pendant 40 ans, je me suis tu. Mmh. Car il est un temps pour se taire, pour approfondir, il est un temps pour parler. Pour montrer simplement que les gens qui croient à ça, à cette spiritualité, ne sont pas des allumés. Mais il vaut mieux être allumé d'ailleurs qu'être éteint, comme certaines personnes. Et je démontre qu'on peut être bien dans la vie, et être conscient de la matérialité, réussir une carrière, réussir une vie, sur tous les plans, et en même temps avoir ce désir intérieur de retrouver Dieu, la finalité totale de sa vie. Car pourquoi est venu l'homme sur la terre? Pour répondre aux 3 questions. Homme, qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Il faut avoir le courage de se poser la question et ne pas rester dans son monde sensoriel en disant « je suis là, après moi il n'y a plus rien », dans cette terreur. Mais ça c'est du matérialisme. Les matérialistes sont des gens qui ont une peur que leur monde fragile, comme ça cette bulle de verre qu'ils ont construit, se fêle et que l'inconnu se présente. Ah, qu'est-ce qu'ils ont peur de l'inconnu? Mon Dieu, ça va changer leur habitude. Et c'est ça qui est terrible. Bah, écoutez, devenez vraiment désallumés. Non, mais vous ne pensez pas que, justement, le matérialisme, c'est de penser qu'on a une vie, et puis après, il y a le néant. C'est quand même beaucoup plus difficile à supporter. Je suis désolé, je me souviens de mes vies passées. Oui. Non seulement je me souviens de mes vies passées, oui. mais j'ai retrouvé les lieux où j'ai vécu. Mm-hmm. Et je suis d'origine espagnole. Oui, vous êtes et je ne suis pas un celte.
Je suis plutôt basque, oui. Atlante. Oui. Et chez nous, la mort est une glorification. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous jouons avec la mort, un peu comme les Mexicains. Si vous, vous avez peur de la mort, c'est votre problème, c'est pas le mien. Parce que de l'autre côté de la barrière, il y a une poursuite de la conscience, il y a une vie extraordinaire. Je m'en souviens. Bien sûr, c'est mes assertions. Et alors ? Mm-hmm. Mais je me souviens très bien. Si cette personne ne se souvient de rien, c'est son problème. Vous savez, les aveugles... Est-ce que c'est pas normal vous savez qu'on que les aveugles ne disent qu'il n'y a pas de ciel. Quand on leur dit que le ciel est bleu, ils disent, c'est pas vrai, je ne vois pas. Mm-hmm. Les sourds vous disent, les oiseaux ne chantent pas, d'ailleurs, je ne les entends pas. S'ils sont sourds, s'ils sont aveugles, c'est leur problème. Ils auront des yeux, ils ne verront point. Ils auront des oreilles, ils n'entendront point, dit le Christ. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, la majorité des gens ne se souviennent quand même pas de leur vie antérieure ? Si, si. Depuis que j'ai commis ce livre, oui, actuellement, je reçois 200 lettres par jour. Et que ce soit des gens fabuleux, comme des chercheurs du CNRS, qui me disent, monsieur, j'ai les mêmes convictions que vous, mais sachez que je suis dans le monde scientifique et je n'ai pas le droit d'opiner comme ça, sinon je perdrai la confiance de mes chefs. C'est quand même effrayant. Je reçois des lettres qui me confirment en cela de tous les milieux, et des milieux les plus scientifiques. Ben, oui, je suis allumé. Vous l'avez voulu, hein. Oui, on dirait un volcan. C'est vrai, peut-être. Oui, donc bon, il y a des scientifiques... Non, pas du tout. Il y a je suis passionné par ça parce que c'est quand même incroyable. Nous sommes vraiment à un moment terrible, un moment crucial. Et tous les jeunes... quand j'ai commencé à m'intéresser à l'ésotérisme, oui, et que j'allais voir des conférences en France, à Paris, dans la salle, il y avait 15 personnes, des vieillards, qui avaient pris leur retraite et qui, avant de mourir, cherchaient un espoir, eux. Mais 30 ans après, qu'est-ce que je vois dans les salles, dans toute la France profonde? Je vois 1 000 personnes qui attendent dans la salle de conférence et jeunes de 18 à 20 ans qui cherchent une réponse que les religions traditionnelles et que les philosophes traditionnels ne leur donnent pas. Moi, je trouve ça plein d'espoir. Plein d'espoir de ces jeunes qui se posent les questions fondamentales, le pourquoi et le comment des choses. Crénom d'un chien, vous êtes sur cette terre, vous n'êtes pas des animaux. On vous pose des questions, répondez-y, vous avez toutes les réponses en vous. Yves Aumont. Je voudrais souligner une chose dans ce que vous avez dit, qui me paraît très vrai, c'est l'énorme rôle que les expériences hors du corps ont joué dans ce renouveau de la réincarnation, mais ce sont des expériences religieuses qui renouvellent toutes sortes de choses. Ce sont vous des avez expériences. Vécu ça ? J'ai vécu ça, ça fait un effet tout à fait étrange. La première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit quel est le salaud qui s'est foutu sur mon lit avec ses chaussures. Et alors, ça a fait une sorte de zoom, je me suis approché, et j'ai dit mais c'est mon pantalon en plus. Et alors tout d'un coup, je me suis rendu compte que le crétin qui était dans mes chaussures et dans mon pantalon devait être moi. Et vous étiez où alors? C'est très difficile à expliquer. Il y avait une grosse boule japonaise et c'était un atelier. Oui. Les pigeons entraient. Il y avait un pigeon qui faisait besoin sur la grosse boule. Ça m'a frappé, donc j'étais au-dessus de la grosse boule. Mais le fait est que cette expérience est tout à fait réelle. Maintenant, là où... Et c'était ça... pas à la suite d'un accident, c'était une décorporation. Non, c'était une expérience comme celle que décrit Paco Rabanne, qui sont oui, des expériences spontanées. Oui. Mais ce que je voudrais dire, voilà des expériences religieuses, et à partir de là, c'est vrai qu'on ne peut plus douter, c'est très subjectif, mais on ne peut plus douter qu'on n'ait pas son corps, puisqu'on a vu son corps en dehors de soi. Donc je veux dire, il y a là quelque chose de très important dans l'évolution. À partir de là, on n'est plus tout à fait le même. Mais est-ce que c'est acceptable, ça, pour un professeur de religion catholique de dire, c'est une expérience. Je fais de la décorporation. C'est une expérience. Et justement, je n'étais pas du tout croyant à ce moment-là. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'à partir de ces expériences, comme les a fait Paco Rabanne, moi, justement, après avoir fait tout un parcours, j'ai été décidé d'aller faire de la théologie pour essayer de comprendre ce qu'on racontait de tout ça. Et c'est comme ça qu'après, on m'a proposé un poste de professeur de religion catholique. J'ai accepté par curiosité en disant « je fais ça 3 semaines » et finalement, ça fait 20 ans que je le fais. Et c'est passionnant. Donc je ne vous critique pas sur ce que vous dites de vos expériences, mais simplement, nous aurons des manières extrêmement différentes d'interpréter ce qu'on peut voir là-dedans. Mais enfin, si... Oui, monsieur Dallès. Oui, moi j'aimerais intervenir à propos de tous ces sceptiques qui nient l'aspect scientifique de la chose. Il faudrait tout de même... Oui, les preuves, ce que demandent les gens sont des preuves. Voilà, les preuves sont quand même assez claires.
parce que nous avons ici des expériences vécues. Je connais personnellement 5 personnes qui se sont trouvées en état de mort clinique. Les descriptions sont toujours semblables. On pourrait évidemment ergoter sur en le fait de savoir. Attendez, on pourrait ergoter sur le fait de savoir s'ils sont morts ou pas morts. Or justement, c'est là que la bonne question est posée, parce que j'attends toujours le biologiste qui peut m'expliquer par quel organe d'essence on peut se voir soi-même alors que la vue est orientée vers l'extérieur. Mais il y a pire. J'aimerais qu'on m'explique, et généralement ça n'est pas dit dans les débats, comment il se fait qu'un quart d'heure après, avec le cœur arrêté, l'électroencéphalogramme plat, ce qui est un exemple encore beaucoup plus critique que celui-ci, parce qu'on a de nombreux exemples de ce genre, et surtout les yeux fermés, par quel organe est-ce que les gens se perçoivent dans la pièce, perçoivent ce qui est à l'extérieur, entendent ce qui est dit, voient les scènes. Et ceci est parfaitement corrélé, parce que je connais plusieurs cas où j'ai pu interroger aussi bien la personne que les témoins extérieurs. Ce que la personne décrit est corrélé par ce qui est vu à l'extérieur de la pièce. Alors ça, c'est clair, aucun biologiste ne peut m'expliquer ça, surtout qu'en général, il prétend qu'après 3 minutes de non-fonctionnement, le cerveau est mort. Alors avec quels yeux est-ce qu'il a vu? Avec quel outil est-ce qu'il a perçu? Avec quels moyens est-ce qu'il a traité l'information? J'ajouterai une petite chose qui est très intéressante pour les physiciens. Dans beaucoup de cas, ce qui est perçu tout autour n'est pas perçu avec les couleurs naturelles, c'est perçu dans une lumière bleue électrique et c'est vu avec des phénomènes de transparence, ce qui semble indiquer qu'il s'agit d'un outil qui permet de voir non pas la lumière réfléchie, mais la lumière émise par les objets. Et quand les couleurs sont ajoutées, c'est par référence à la mémoire. On a suffisamment d'autres cas. Alors là, j'attends. Ça, c'est une preuve. C'est parfaitement corrélé. Dans n'importe quelle autre discipline scientifique, quand on a des événements décrits qui sont corrélés par plusieurs observateurs, donc quand on a ce qu'on appelle de la congruence, le fait est admis. Pourquoi pas ici? Mais le fait que l'on puisse éventuellement en sortir de son corps à un certain moment, suite à un coma ou à une expérience... Ça veut dire que c'est une propriété naturelle. Ça ne prouve pas encore la réincarnation et attendez, le fait que les âmes attendez, s'incarnent. Vous dites ici dans la presse, on ne meurt qu'une fois. Mais ces gens-là sont au moins morts 2 fois. Oui. Parce que la prochaine fois, ils vont remourir alors qu'ils sont déjà morts 1 fois. Donc ça en fait déjà 1 de trop. Mais comment est-ce que cet esprit, appelons-le comme ça, ou cette âme, réintègre un autre corps après une vie, Paco Rabanne? Ça se passe comment? Ça réintègre un corps fait ou un embryon, un spermatozoïde? Est-ce que ça se passe? Comment se fait la transition? Lors d'un voyage astral, il s'est imposé à moi des images très étranges. J'étais de face à la source de toute chose, je ne peux pas exprimer, ce rayonnement colossal de joie, de vérité, d'éternité. Et une voix intérieure de moi m'a dit « Tu es au 7e plan vibratoire. » Parce que dans le monde des morts, il y a plusieurs plans. Le 4e plan, l'Hadès. Le 5e plan, le plan paradisiaque. Le 6e plan, les mémoires akashiques. Le 7e plan, le face-à-face divin. J'étais au 7e plan et sont arrivés devant moi des X lumineux, énormes, très anciens. Je les ai appelés les vieillards, tellement ils me paraissaient vieux. Et ils m'ont dit, tu dois redescendre sur la Terre. Je leur ai dit non. J'ai accompli mon temps sur la Terre, je suis bien là, j'étais en train de vibrer de joie. Ils m'ont dit, regarde, j'ai eu le malheur de regarder vers le bas, j'ai vu la Terre, et si j'acceptais ce qui m'arriverait de ma naissance à ma mort, ce que j'ai vu était tellement terrible que j'ai accepté de descendre. Ils m'ont dit, choisis. J'ai choisi, sur les couples qui faisaient l'amour sur la Terre, dans cette espèce de pénombre qu'il y a sur la Terre, il y avait des couples qui faisaient l'amour, et il y avait une phosphorescence qui émanait d'eux, une phosphorescence un peu kaki, hors kaki. Et j'ai choisi un couple qui me paraissait avoir les coordonnées nécessaires pour faire ce travail que je devais faire. Quand j'ai choisi, il y a eu comme un trait de laser qui est sorti de l'entité que j'étais, qui est allé vers cette femme. Et je me souviens de la douleur horrible, de la descente vers cette femme. Et au moment où j'ai touché le corps de cette femme, comme mon père et ma mère faisaient l'amour, le feu du sexe de mon père a été comme une lame d'épée, m'a coupé en deux et j'ai perdu connaissance. Tellement la douleur a été horrible. Donc je prétends que l'âme prend possession du corps au moment de la copulation. C'est grave, parce que ça va engager moralement beaucoup de choses après. Et j'ai retrouvé, quand j'ai réouvert les yeux, j'avais 7 ans, à la suite donc de ce voyage astral, et j'ai pleuré car j'étais incomplet. De l'autre côté, j'étais une entité androgyne. Oui. Et là, je n'étais plus qu'un homme. Ça, et il me manquait la votre... femme que j'ai mis 30 ans à trouver à l'intérieur de moi, dans le foie. C'est la recherche, la descente aux enfers de l'alchimie, cher ami.
Bon, ça fait beaucoup de choses à la fois, mais donc... Non, mais je vous raconte une vision simple. C'était votre dernière vie, cela. On descend sur la Terre pour plusieurs raisons. Oui. Parce que le travail, lorsque vous devez partir, lorsque ce qu'on appelle l'involution, lorsque l'esprit divin descend dans la matière, il doit passer par la matière, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain. Et de l'humain, il doit atteindre surhumain pour se reconfondre avec la source de toute chose, le Père, Dieu le Père. Et nous vivons cette vie de sortant de l'animalité, nous vivons cette vie humaine pour essayer d'améliorer, de refaire à l'envers le crime d'Adam qui s'est détourné de la face de son Créateur. Nous devons retourner notre face vers Dieu le Père, le Créateur. Donc c'est une augmentation de notre conscience. Cheminement vers le bien. C'est vers le bien, vers le tout. Si nous ne le faisons pas, nous mourrons, nous allons donc dans un plan vibratoire, dans le royaume des morts, où nous pouvons rester et progresser, parce qu'il y a des instructeurs, il y a tout un savoir qui est véhiculé par les gens autour de vous, et au fur et à mesure que l'on progresse, on monte des paliers, mais vous pouvez aussi redescendre, car c'est un accélérateur formidable. Parce que quand vous êtes dans un plan vibratoire, dans le royaume des morts, et qu'au-dessus de vous voyez la magnificence de la divinité, de Dieu, vous n'avez qu'une aspiration, c'est monter. Quand ce désir est trop grand, même de l'autre côté de le royaume des morts, le désir est trop grand, vous ne pouvez plus rester à votre plan vibratoire, là où vous êtes. Vous êtes en décalage. Et c'est là que brusquement... vous êtes obligé de redescendre. Les juges arrivent, et vous êtes, c'est ça, à ce moment-là, vous êtes jugé. Et que le fameux gardien du seuil dit, « Homme, qu'as-tu fait de ta vie ?» Et il vous dit, si tu veux progresser, monter vers lui, tu peux rester là et progresser. Ou alors, tu descends dans l'enfer matériel, dans l'incarnation de la charnelle, et là, tu vas pouvoir, en une vie, à augmenter ta conscience et monter plus haut. Mmh. Et donc, on choisit sa vie, et on choisit de redescendre, on ne nous impose pas. Et c'est pour ça que, sur cette terre, les gens sont différents, ont des caractéristiques physiques différentes, et peuvent avoir, à cause de leur karma, une vie de roi, d'homme privilégié par fortune, ou une vie de misère, de mort, d'infirmité, voulue par l'âme elle-même pour augmenter sa conscience. Car la loi karmique sur la terre n'est pas une punition, c'est un ressentir vibratoire. Nous devons en nous ressentir toutes les vibrations. Un jour nous devons être assassins, un jour nous devons être l'assassiné, de façon à pouvoir progresser de l'autre côté de la barrière, cette montée vers le Créateur. Voilà pourquoi la vie matérielle existe, cet enfer existe, pourquoi nous sommes tous différents, même dans la même famille. Alors que moi, ma mère marxiste, par la dialectique, m'avait appris une chose qu'actuellement je suis contre, c'est-à-dire que les hommes étaient différents à cause de leur conditionnement affectif, social, biologique, financier, etc. Et j'ai vu que la même famille, les gens étaient différents parce qu'ils avaient les caractéristiques, les yeux, soit de l'animal, soit horizontal, les yeux des gens anciens, les lobes des oreilles, etc., etc. Ah oui, parce que vous voyez, quand vous voyez une personne, vous voyez si c'est une âme ancienne ou pas. Vous êtes lecture. Tous les êtres sont lecture. Ah oui. Tout ce qui existe sur la terre est lecture, est symbolique et lecture. Ils auront des yeux, ils ne verront point. Ils auront des oreilles, ils n'entendront point. Yves Aumont, par exemple, bon, c'est une vieille ou une récente incarnation? C'est une vieille âme, il a les yeux horizontaux. Mais regardez un peu les lobes des oreilles attachés et l'épaisseur des lobes de l'oreille. Regardez comment cet homme, qui est une vieille âme, a encore le mental trop grand. Et c'est un homme qui, pourtant, a la lumière dans les yeux, pourrait atteindre une conscience plus élevée. Mentalisation, c'est-à-dire son lobe d'oreille attaché, est très charnu, fait que le mental prend sur lui plus de place que l'émotionnel vibratoire donc, du cœur. Donc, il a encore un long chemin à parcourir. Bien. Je voudrais simplement dire un tout petit mot pour les téléspectateurs, oui. Parce que quand même, on vient d'employer le mot karma comme ça. Oui, le karma, ça vient du bouddhisme. Hein. Oui, mais alors le karma, en gros, c'est... Le ressentir, si c'est les conséquences de nos actes, quoi. C'est simplement c'est ce qui suit nos actes. Le karma, c'est tout ce qui résulte de notre action. Le Christ a dit, tout ce que tu sèmes, tu le récolteras. Oui, mais vous mélangez, vous prenez un peu dans toutes les religions, là, pour... Cher ami là-haut, j'ai choisi de naître dans un milieu judéo-chrétien, dont je me sers de mes armes. Si j'ai étudié le bouddhisme, si j'ai étudié toutes les religions du monde, c'était d'une manière informative. Mais je travaille, je vis c'est à l'intérieur un système de moi de référence, avec la référence ultime, la parole christique. Je voudrais dire à l'auditeur attardé qui ne sait peut-être pas encore ce que c'est que le karma. Pourquoi attardé? Pour le moment, je veux dire, on a l'air de le négliger. Je veux dire, on a l'air de négliger l'explication. Oui, c'est donc les conséquences de nos actes. En gros, si vous voulez comprendre ce que c'est que le karma,
C'est très simple, vous mangez, vous allez au supermarché, et puis vous mettez ça dans des poubelles. Eh bien, le karma, c'est la collection de poubelles qu'entraîne, si vous voulez, chacune de vos actions. Et donc, dans la théorie indienne, etc., et dans d'autres théories, on traîne cela, n'est-ce pas, et jusqu'à liquidation du karma. Et on liquide qui par sont quoi ces par le poubelles, bien. Ces vieilles casseroles qu'on traîne le à la de nos actes. Oui, oui, voilà ce que Edouard Fine. Edouard Fine, bon, alors vous qui êtes refuge auprès de Bouddha, là, vous allez mettre quelques nuances, parce que appeler le karma la récolte d'une série de poubelles me paraît exagéré. Le karma est une loi. C'est une image. Oui, c'est une image, mais elle n'explique pas tout. Le karma est une loi d'action et de réaction. Oui, c'est ça. Hein, et qui s'applique aussi bien à des choses merveilleuses qu'à des choses sales, si tant est qu'il en existe. Et il faut, pour bien comprendre le karma, se référer à l'hypothèse atomique. Il semble bien que le Bouddha ait été le premier à la formuler, avant Démocrite et certainement avant tous les autres. Et le Bouddha a non seulement proclamé l'existence des atomes de matière, mais aussi l'existence de particules ultimes d'action passée. Et ces particules d'action passée, mais que voulez-vous, à partir du moment où on accepte l'idée qu'il y a des particules, il faut accepter que rien ne se perd et rien ne se crée. Et donc ces particules ont tout au plus la faculté de se recombiner autrement. De sorte que quand un individu meurt, ces particules ultimes d'action passée, qui ont, on dirait dans le langage scientifique, la dimension d'une énergie, n'est-ce pas, constitue le troisième ingrédient nécessaire à la naissance. Il faut donc un spermatozoïde, un ovule, et puis cette énergie qui est une conscience de renaissance. Et c'est à ce moment-là, donc ça ressemble un peu c'est à ce que vous disiez, l'esprit, que, une forme de qu'un nouvel être d'esprit. Se forme, qui, alors là, je m'écarte un petit peu des opinions énoncées jusqu'ici, n'est pas quelqu'un qui se dirait « Tiens, tiens, je viens de terminer une existence, c'était pas mal, mais qu'est-ce que je choisirais pour la prochaine fois ? Est-ce que je me colle deux femmes, trois syphilis, quatre enfants ?» D'après le bouddhisme, ça ne se passe pas du tout comme ça. L'être qui meurt, il meurt, mais cette énergie doit, et ces particules ultimes d'action passée doivent bien retrouver un support et qui va donc se retrouver sur un autre individu qui n'est pas le même et qui n'est pas non plus tout à fait différent. Bien, je voudrais que l'on voit quand même quelques-uns des reportages et témoignages que nous avons récoltés en vue de cette émission. Ce sera peut-être, ça va peut-être vous remettre un petit peu les idées en place, ou en tout cas l'imagination. Je voudrais vous faire voir une séance de régression dans les vies antérieures. Ça se fait beaucoup pour le moment. Elle est menée par Patrick Drouot, qui est, disons, un des papes de ce genre de pratique pour le moment. Et elle est menée sur Jean-Yves Casga, que vous avez vu notamment dans une émission ici sur la voyance, qui s'est donc prêté à cette expérience. Et vous allez voir ce qu'il dit, ce qu'il répond lorsqu'il est mis dans un état second et qu'il remonte dans le temps. Et maintenant, laissez-vous aller numéro 5. Traversez le cercle de lumière bleue nuit et commencez à sentir une sensation de vitesse et une sensation de mouvement. Laissez-vous aller maintenant, sentez, percevez, ressentez la sensation de vitesse et la sensation de mouvement et vous plongez dans votre propre passé. Laissez-vous aller maintenant, numéro 4. Allez de plus en plus vite maintenant, sentez, percevez, ressentez la sensation de vitesse, numéro 3. Et voyez, percevez, ressentez là-bas au loin une lumière qui grandit. Cette lumière est une porte. Au prochain compte, vous allez entrer dans cette lumière et lorsque vous en sortirez, vous serez ailleurs, en un autre temps, en un autre lieu. Laissez-vous aller maintenant, numéro 2. Sortez du tunnel, sortez de la lumière. Mais je voudrais que vous vous concentriez sur vous qui êtes, vous qui êtes, vous qui êtes, vous qui êtes. Rien d'autre que vous qui êtes. Rien d'autre que vous qui êtes. Et je voudrais que vous me disiez si vous êtes chaussé ou pieds nus. Chaussé ou pieds nus. La première impression qui vient à l'esprit. La première impression. Chaussé ou pieds nus. Pieds nus. Très bien, vous êtes pieds nus. C'est la plénitude. Oui, c'est la plénitude. Immédiatement, percevez, sentez, ressentez, là. Ouvrez-vous. 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 Est-ce qu'il y a une présence là ?
qu'est-ce que c'est? Ça brille. Comment? Ça brille. Ça brille. C'est pas la terre, je la vois. Ouais, c'est pas la terre. Et je la vois. Mais je sais pas d'où je vois. Alors attendez. Est-ce que vous voulez dire que nous sommes sur une autre planète? Oui. Mais une autre planète du système solaire? Fortement, je vois la Terre. Est-ce que vous êtes à bord de quelque chose qui se déplace? D'un engin? J'ai l'impression que c'est pas l'engin, c'est la planète qui a percuté. Qu'est-ce que la planète a percuté? Ou qu'est-ce qui a percuté la planète? Mais on va taper la Terre. Il y a des éclairs. Mais des éclairs comme une guerre. Voilà, Paco Rabanne, est-ce que vous pensez que par cette expérience, Jean-Yves Casgat est passé dans un monde astral ou dans une vie antérieure? Écoutez, personnellement... C'est quelqu'un de relativement neutre, je veux dire, qui s'est prêté à cela. Est-ce que ce ne sont pas des images que produit bien, son cerveau? Je connais très bien Patrick Drouot, je sais, ouais. Il a soigné beaucoup de mes amis. J'ai beaucoup de respect pour son travail, mais je ne peux parler que des expériences que j'ai vécues personnellement. Et je me refuse absolument de parler des expériences des autres et je me refuse absolument de faire de la compilation des théories vécues des autres. Parce que c'est le tort dans le milieu ésotérique actuellement où les gens lisent beaucoup de livres de philosophes et ensuite refont des bouquins à leur façon. Et ça, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne peux parler que de ce que je vois. De ce que j'ai vu, pardon, ce que j'ai ressenti et ce que je continue à ressentir, car je continue à expérimenter à l'intérieur de moi-même et il m'est arrivé beaucoup d'aventures, c'est tout. Et je ne. Seulement, je suis neutre. Vous pensez que c'est possible, vous, ce que vous venez de dire? Bien sûr. Est-ce que ce ne sont pas des images que produit le cerveau lorsqu'on écoute cette musique? On est quand même un peu guidé par le discours de Patrick Drouot. Je ne pense pas. J'ai des amis qui ont raconté des faits précis, elles avaient des problèmes physiques, et ces problèmes ont été résolus justement en trouvant l'incarnation où peut passer des accidents corporels. Mmh. Et une fois connu ce moment d'incarnation, le problème physique a été aboli immédiatement. C'est arrivé à des amis personnels. Mais ici, on a plutôt l'impression que c'est une vision d'un autre du monde, du cosmos. C'est pas vraiment une vie antérieure. Pourquoi? Ma vie la plus ancienne que je me souviens, c'est la planète Altaïr, du système Altaïr. C'est une planète de cristal où il y a 75 000 ans, on m'a demandé de venir sur la planète Terre pour voir où étaient les humains qui venaient de l'animal, des hominidés, pour voir dans quel état ils étaient et fonder une des premières civilisations sur cette planète. Cette planète qui a été connue par les voyageurs de l'espace, du centre de la galaxie, depuis des millénaires. Si vous croyez que ce petit animal qu'est l'homme est le seul dans la galaxie, quel orgueil, quel foutu orgueil. Merci. Je voudrais, avant de poursuivre, je voudrais quand même passer la parole à François Reckmans pour voir quelles sont les réactions des téléspectateurs, s'ils s'y retrouvent dans nos propos. Parmi les personnes qui marquent beaucoup d'intérêt pour la réincarnation, des gens qui posent des questions très très précises sur des aspects précis de ce phénomène. Est-ce que tout le monde a eu des vies antérieures? Et surtout, comment est-ce qu'on peut prendre conscience de ces vies antérieures? Ça intéresse énormément de personnes. Alors, des questions plus précises encore, est-ce qu'il peut y avoir réincarnation dans un adulte ou est-ce que cela se fait obligatoirement à la naissance? Et alors, après combien de temps est-ce que cela se passe? Mon fils a été mon mari, nous dit une dame. Mon fils était mon mari pendant la guerre de 40. Est-ce que c'est possible? Comment peut-on, et ça c'est une question qui revient très régulièrement, comment est-ce qu'on peut avoir l'impression d'être déjà passé quelque part et d'avoir déjà vécu un moment de sa vie au même endroit? Quelle est la raison de ce phénomène? Est-ce que ça n'a pas à voir éventuellement avec des vies antérieures?
Bon, ben on va répondre d'abord, essayer de répondre à cette dernière question. Bon, cette impression de déjà-vu, ce n'est pas simplement quelque chose qui se passe dans le cerveau. Non, non, ma mère l'a ressenti un jour avec mon père, qui était général, un général militaire, un homme très obtus, il ne croyait pas du tout en ça, c'était un cartésien, matérialiste à fond. En passant dans une région d'Espagne qu'il visitait pour la première fois, ma mère brusquement s'est arrêtée. Cette femme cartésienne a dit « Mais c'est terrible, on connaît les lieux. » Et elle a expliqué à mon père « Derrière cette colline, tu vas voir, il y a un village comme ceci, il y aura 7 maisons, etc. etc. » Avec mon père, ils continuent la route, ils arrivent dans un village, et mon père dit « Tu vois, tu t'es trompé, tu n'es jamais venu ici, qu'est-ce que tu racontes ? Il n'y a que 5 maisons, il n'y en a pas 7. » Alors, ma mère étonnée pose des questions aux gens. En effet, il y avait 7 maisons, il y avait 2 qui avaient été détruites. Et ma mère avait raconté exactement comment cette maison était là. Or, ce qui est fabuleux dans l'histoire de ma mère, de mon père, c'est que ma mère était une marxiste, tout craint. Oui, c'était au moment de la guerre d'Espagne, votre père. Et mon père aussi. Ça se passait avant la guerre d'Espagne. Et que cette aventure que ma mère me raconte, une femme marxiste, c'est quand même étonnant. Comment peut-on retrouver ces vies antérieures ? Comment en prendre conscience ? Éventuellement par le bouddhisme, par la méditation, Edouard Fine ? Oui, on peut faire des régressions, hein, mais ce que je voudrais dire à ce sujet, étant un psychothérapeute utilisant la PNL et par conséquent pas mal PNL, de techniques... c'est très compliqué. Hein. Oui, mais disons qu'on utilise des techniques hypnotiques. Oui. Je fais ce genre de choses tous les jours, hein, et il est absolument impossible, d'après moi, de décider si ce que la personne revit sous hypnose est de nature métaphorique ou si elle revit véritablement une autre incarnation. Mmh. Et je crois que la discrimination est pratiquement impossible. Mais du point de vue thérapeutique, c'est pas grave. Quand vous dites métaphorique, vous voulez dire que c'est quelqu'un qui, en fait, reproduit des images de son inconscient voilà, ou si de son imagination. Elle vivait un film, un film où sont exposés tous ses problèmes et éventuellement leurs solutions. Et en réalité, le problème n'est pas vraiment, du point de vue du psychothérapeute, de savoir si c'est vraiment une incarnation intérieure ou une métaphore. C'est qu'elle vive éventuellement la solution de son problème et en sorte. Non, mais ici, il y a manifestement une curiosité, quoi. Il y a une curiosité du public. Est-ce qu'il y a moyen de savoir ? Eh bien, je pense que des preuves formelles, c'est très difficile à obtenir à ce niveau-là. Il faut être extrêmement prudent. C'est une des propriétés de l'esprit humain de pouvoir associer des images qui proviennent de la mémoire. La seule façon de savoir si c'est quelque chose qui a été vécu antérieurement, et je ne dis pas de la personne parce que là je me distingue par rapport à beaucoup de démarches bouddhistes, c'est évidemment de vérifier la congruence, c'est-à-dire qu'on ait au moins la possibilité, soit dans des documents historiques, soit en amenant la personne sur place, comme ça a été fait d'ailleurs par pas mal de chercheurs, et cette personne sur place retrouve toute une série de choses que personne d'autre ne pouvait lui dire, dans ce cas-là, effectivement, on peut dire qu'il y a une confirmation. Mais pour la majorité des gens qui vont nager dans leur inconscient et qui vont ressortir des images, ben c'est vrai qu'on n'a pas la garantie que ce qui est vu correspond à des vies antérieures. Vous avez cherché la confirmation, pardon. Vous avez cherché la confirmation. Quand En 1941, dans la Bretagne profonde, il n'y avait ni télévision ni radio. Vous savez qu'actuellement, un gosse est devant sa télévision. Il y a un magazine, des images, 40 000 informations spot publicitaires par an. Moi, je n'avais aucune référence ni souvenir sur les civilisations que je voyais. Pour moi, c'était des civilisations utopiques. Je n'ai retrouvé tout ça qu'en rentrant aux Beaux-Arts pour devenir architecte. Où, brusquement, j'ai découvert une architecture précise que j'ai pu situer dans l'espace. Bouddhiste, j'étais à Nara, un petit moine bouddhiste au 8e siècle, etc., etc. J'ai retrouvé après, et dans mes voyages, car moi, j'ai eu un sens tellurique très fort, et dans certains pays, le pays s'est ouvert devant moi et m'a dit « Enfin, te revoilà en Égypte, en Guadeloupe, au Japon, où je vais tout le temps, et je me sens comme chez moi, alors que même les Japonais me reçoivent comme si j'étais un Japonais. Ils ressentent quelque chose. » Paco Rabanne, je voudrais vous interrompre. Vous racontez notamment, donc, au cours de l'une de vos vies, que vous étiez prêtre en Égypte, c'était à l'époque d'Amenophis IV, à Kenaton. Et puis, sa mort, vous auriez été un des assassins de Toutankhamon. Oui, bon, vous connaissez l'histoire de Toutankhamon, qui est devenu Toutankhamon avec l'histoire des prêtres. Le changement de religion. Et comme j'étais un des vieux prêtres initiateurs, je n'étais qu'un des vieux prêtres, je n'étais pas le prêtre essentiel. Et lorsque j'ai fait ma soumission au prêtre de Thébain, d'Amon, je suis revenu à Thèbes,
Et donc, avec 12 d'autres prêtres fidèles à Kenaton, j'ai assassiné Toutankhamon. C'est vrai qu'il est mort mais jeune. Mais comment est-il mort? Et je l'ai enterré, puis j'étais prêtre, donc ma mission également. J'ai eu la confirmation en arrivant au musée du Caire la première fois, en visitant les pièces de... Tout le monde connaît le musée du Caire, avec toutes ces salles où il y a le trésor que Carter a trouvé dans le tombeau de Toutankhamon. J'ai eu la formidable expérience de retrouver des objets que je connaissais et dont je n'avais la texture dans le bout des doigts et le poids au bout des mains. Ces objets, je savais que je les avais manipulés, car j'en connaissais et le grain tactile et j'en connaissais le poing. Je pouvais supposer visuellement chaque objet, je le reconnaissais. Mais vous l'avez tué comment ? Vous l'avez tué comment, Toutankhamon ? Un poison. Donc sur la momie, il n'y a pas moyen de savoir. Non, c'est sûr que non. Oui, c'est cela. Alors je voudrais, puisque l'on parle de recherche de vies antérieures, vous faire entendre une série de témoignages de personnes qui sont d'ailleurs présentes sur notre plateau ce soir, qui ont fait des régressions et qui en témoignent. Et je leur demanderai après de commenter tout cela. Je suis d'abord retournée au XVIIIe siècle. Et on m'a demandé mon prénom, j'ai répondu Victoria. On m'a demandé Victoria comment ? Victoria de La Haye. Et donc Victoria de La Haye était une noble qui avait un certain pouvoir, beaucoup d'argent, une famille très noble en France. Et j'avais un certain pouvoir sur... Donc la façon de vivre était vraiment très facile. Et j'ai dû le payer dans ma vie juste après, puisque je suis devenue une petite fille très pauvre et je suis morte de faim, donc c'était vraiment le contraste total. Et maintenant, donc, je suis ici dans une vie qui est entre les deux. Donc, je suis ni riche ni pauvre, mais j'ai quand même quelques difficultés. J'ai passé beaucoup de vies sous forme d'animaux divers. Donc des vies moins évoluées, des êtres qui n'ont pas notre chance de développement cérébral, avec donc des capacités amoindries, limitées aux instincts. Mais j'ai aussi passé quelques vies en tant qu'être humain. Et dans ces vies-là, j'ai la plupart du temps... était un être ou des êtres avec des niveaux de vie très bas et beaucoup de mauvaises actions, meurtres, assassinats. J'ai vu par exemple un poisson ou bien un rat ou bien une tortue, des animaux tout à fait banaux comme on les connaît tous, qui ont tous la possibilité de changer de vie. Je ne sais pas exactement le mécanisme qui pourrait faire qu'un animal pourrait devenir ou redevenir un être humain, mais il est existant, j'y crois, puisque ça m'est arrivé. Je suis arrivée à 1170 et j'étais un grand moine bouddhiste. Et bon, les fidèles venaient vers moi, etc. Et alors, moi, ce que j'ai été chassée du temple parce que j'étais quelqu'un qui est très colérique et je tapais, etc. Et alors, j'ai été chassée complètement du temple. Et la suite à ça, j'ai été mendiante. Et tout ça, c'est pour dire que dans cette vie-ci, je suis toujours aussi colérique. Et je dois apprendre à tenir cette colère. C'est toujours très fort. C'est très fort en moi. Et c'est quelque chose que je dois apprendre. Et c'est par les régressions que je l'ai appris. Parce que je me posais des questions. J'ai vécu au Vietnam, je ne sais pas quelle époque, peut-être le 15e siècle. Et j'étais une femme. Et je me rappelle très bien les rizières. J'étais une femme de bourgeois, en fait, dans un petit village. Et ça finit en drame, puisque ma fiancée actuelle, à l'époque, était un homme, m'a noyé. Et ce qui l'a évidemment entraîné dans les enfers. Voilà. Est-ce que vous pensez, Paco Rabanne, que quand même l'attrait pour les philosophies orientales n'intervienne pas beaucoup catégorique, c'est une erreur. C'est une erreur. Les connaître, c'est bien. Oui. Mais je pense que lorsque nous avons choisi de nous incarner, si réincarnation il y a, nous avons choisi un milieu très particulier, la religion judéo-chrétienne. Vous pensez que c'est une erreur d'aller vers le bouddhisme, d'aller vers des religions et vous-même, exotiques, vous faites... exotiques.
alors que nous sommes nés dans un contexte précis, que nous avons accepté l'autre côté de la barrière, un jeu, et si nous trichons avec ce jeu, nous faussons la réincarnation, nous faussons le jeu, et nous créons un nouveau karma, c'est de nouveau une nouvelle karma, c'est une référence bouddhiste. Et alors, le Christ le dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits, et si tu récolteras ce que tu as semé, cela veut dire la même chose, c'est que tu récolteras ce que tu as semé, très long à dire, de semaille, et le mot karma est plus rapide. Mais je pense que nous avons en nous, dans notre civilisation, dans nos mythes, suffisamment d'armes pour avancer dans cette connaissance de soi par rapport au tout. Car tout est là, se connaître par rapport au cosmos qui nous environne. C'est simple. Le Christ a dit, heureux les simples en esprit, laissez venir à moi ceux qui ont l'esprit comme des enfants, car la vérité est toute simple. Par contre, je suis également contre la métempsychose des hindous. Je pense que Dieu est miséricorde. N'oubliez pas que le Christ est rédemption. Il nous donne la solution, le chemin. La Vierge est compassion et le Christ, Dieu est miséricorde. C'est-à-dire, on ne peut pas régresser en animal. Parce que depuis le minéral, on monte vers la divinité. Mais la religion chrétienne, en fait, condamne la réincarnation. Qu'on me montre un seul texte. Monsieur Aumont, allez-y, vous êtes professeur de religion. Voté par un concile quelconque. Moi, je vous dirais que franchement, l'histoire de la réincarnation... me concerne finalement assez peu, dans la mesure où je suis baptisé et où le baptême m'enlève tout ce que je pouvais traîner avec moi comme casserole accrochée à la queue à mon arrivée. Quelle chance. Donc, c'est effectivement une chance dont je suis très reconnaissant. Je ne suis pas baptisé. Et, mais vous... Vous voulez dire que le baptême... Nous voulez dire que le baptême annule les vies antérieures. Alors, le baptême... Je voudrais d'abord expliquer... C'est pas parce qu'on parle par la flotte, on passe par la flotte... Oui. Qu'on se sauve, voyons. Le véritable baptême, c'est le baptême par l'esprit et non pas par la flotte. Les catholiques confondent le baptême par la flotte, par l'eau, le baptême par l'esprit. Moi, j'étais baptisé par l'esprit. Non, mais on va laisser. Je m'estime profondément chrétien. Le point de vue de la catholique. C'est vrai, je suis un peu violent. Mais c'est ma nature de basque. Mais c'est bien. C'est bien. Une fois baptisé, vous verrez, ça ira mieux. Comment est-ce que vous, en tant que catholique, ayant vécu des expériences proches de la mort, étant astrologue, etc., comment est-ce que vous arrivez à concilier tout ça ? Parce que vous, ne sont pas du tout des casseroles. Simplement, toutes ces expériences, elles peuvent s'interpréter d'infiniment de façons différentes. Et vous interprétez nécessairement une expérience en fonction d'un fil conducteur qui est le vôtre. À l'origine, fil conducteur, ça se disait mythos. Eh bien, disons d'un mythe. Et c'est évident que vos expériences, si vous vivez dans un milieu indien, vous allez les interpréter en termes de réincarnation. Vous arrivez à Jérusalem, votre cœur vibre, vous dites « Tiens, j'ai déjà vécu ici ». Bon, mais simplement, je crois que pour bien comprendre la mécanique dans laquelle nous sommes, il faudrait essayer de comprendre l'énorme renversement qui s'est produit dans la manière dont on considère la réincarnation et comment tout d'un coup c'est devenu sympathique. Et pour ça, je crois que vous avez préparé un document sur le spiritisme. Oui, bien sûr. Et justement, alors j'aimerais en parler après parce que ça, je crois que ça, c'est le gros tournant et c'est à partir de là que je pourrais mieux expliquer à quoi sert le christianisme. Le Christ en parle de la réincarnation. N'oubliez pas, relisez Matthieu. Pour le moment, les autorités en matière de catholicisme, par exemple, ils ont laissé... Dernière nouvelle, la réincarnation est une hérésie. Actuellement, il y a un évêque qui a dit que cela a été laissé au libre choix des croyants. De toute façon, le Christ en parle dans Matthieu, relisez Matthieu. Oui. Dans Luc et dans Marc. Arrivant devant le Jourdain, voit Jean-Baptiste qui baptise les gens, les apôtres qui s'étonnent en disant que fait-il cet homme ? De quel droit se permet-il de baptiser ? Et le Christ qui se retourne en colère, il leur dit comment ? Vous ne reconnaissez pas Élie qui nous est revenu ? Oui, mais en tout cas, dans les brochures qui sont publiées actuellement, il ne faut pas faire le tri dans l'Évangile. Ce qui gêne et ce qui ne gêne pas. C'est une question d'interprétation, apparemment. Le public va terriblement s'embêter si on commence à se lancer des textes des Évangiles à la figure. C'est textuel. C'est mon livre de chevet. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Non, mais écoutez, vous êtes d'accord si on dit que pour le moment, disons, l'orthodoxie catholique, c'est de dire que la réincarnation est une hérésie. Bon, oui, alors à l'intérieur du christianisme, le chrétien ne doit pas, ne se réincarne pas. Mais il y a aussi dans l'Église, la tradition, il y a d'autres demeures dans la maison de mon père, disait Jésus. Il y a d'autres traditions et il n'est pas du tout exclu, après tout,
que la réincarnation soit un système de rétribution possible parmi les mille systèmes qui existent. Vous allez vous faire brûler pour ça, non? Pas du tout. Je veux dire, tout ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir justement que j'y échappe. C'est une horreur, la réincarnation. Essayez de vous représenter ça. Si des thérapeutes se donnaient la peine, au lieu de faire régresser les vies, les gens dans leur vie antérieure, s'ils se donnaient la peine de les faire progresser dans leur vie postérieure, eh bien, vous verriez qu'à ce moment-là, il y aurait beaucoup de clients pour le baptême qui fait échapper à tout ça. Mais alors, monsieur Humeau, que devient dans votre image la résurrection de la chair qui est un dogme? Quelle est votre interprétation actuelle? C'est la chair qui est donnée dans le credo. Vous savez, c'est... Quelle est votre interprétation actuelle? C'est une très vieille interprétation. Elle est toujours dans le credo. Non, c'est une très vieille, elle est déjà dans le Concile de Trente. C'est-à-dire que le corps de résurrection est quelque chose d'extrêmement difficile à Non, résurrection de la chair. Oui, mais ce corps de résurrection est une chair. Mais il n'y a qu'une vie. Quelque... Mais bien sûr qu'il n'y a qu'une vie. Seulement l'enfer, le monde dans lequel vous entrez après votre tunnel est un monde que tous les Indiens connaissent très bien. Ce sont des expériences bien connues, mais c'est un monde dans lequel, dont vous êtes essentiellement le créateur. Et la plupart des choses, vous en êtes le créateur. Et vous connaissez par exemple les expériences des spirites, ils arrivaient... Ils communiquaient à leur maman qu'il était temps qu'ils les quittent parce qu'ils devaient maintenant aller bêcher leurs plants de carottes. C'était de nouveau, ces gens-là étaient dans un monde dont ils étaient les créateurs. Donc il est clair que Dieu nous laisse nous juger et qu'à ce moment-là, nous nous créons un avenir, si vous voulez, que nous fabriquons en grande partie nous-mêmes, mais qui peut être un enfer si c'est un monde solitaire. Les traditions religieuses, au fond... Oui, mais vous ne répondez pas... Vous ne répondez pas à la question, monsieur. Dans l'hypothèse chrétienne classique, il y a une résurrection de la chair à la fin des temps. Alors, qu'est-ce qui est plus facile pour Dieu? Mais il n'y a qu'une seule vie. Attendez, qu'est-ce qui est plus facile pour Dieu? De courir après les cendres de Jeanne d'Arc de l'Atlantique, de rattraper les asticots qui sont en train de se sauver, ou de faire ce qu'il a fait pour son propre fils, utiliser le corps d'une femme? Et s'il n'y a qu'une seule vie, quelle justice, quel est ce Dieu de justice qui fait naître un enfant aveugle, malade, pauvre, alors que quelqu'un va naître riche? Moi, je ne peux pas, ne veux pas, est impossible de croire en une seule vie. Comment un enfant né aveugle et se drogue à l'alcool dans les rues de Rio parce que la société l'a abandonné, quel est ce Dieu? C'est vrai. J'en veux pas de ce Dieu, moi. Mais le mien, le Dieu chrétien, le Dieu du Christ, le Christ qui dit que pour atteindre la sagesse, il a dit à Nicodème, il faut revivre. Mourir et renaître encore, mourir pour dans l'eau et renaître dans l'esprit à la fin des temps. On est par l'esprit. Oui, il s'agit de... Et alors là, il y a plusieurs possibilités. On comprend pourquoi il y a des vies difficiles, il y a des vies faciles, car c'est la loi de ce que tu as semé, tu le récolteras pour un jour atteindre à la plénitude totale. Bien, je voudrais quand même interroger une des personnes qui viennent de témoigner dans ce reportage. Bon, vous êtes passé en fait par une connaissance du bouddhisme pour régresser dans ses vies antérieures. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous a apporté quelque chose, Johan? Bien sûr, n'est-ce pas? Ah, monsieur Leroy. J'étais dans le monde chrétien. J'aime autant le dire que l'on peut passer du monde chrétien au monde bouddhiste. Pourquoi est-ce arrivé? Parce que le monde chrétien est embarrassé d'une série de dogmes multiples. Et il y a surtout cette question de responsabilité. On est avec le péché originel. Dans ce cas, ce dogme étant admis, il faut un rédempteur pour laver ce péché originel. S'il n'y avait pas de péché, il ne faudrait pas de rédempteur. Dans le bouddhisme, tout cela est beaucoup plus simple. Le principe qui se réincarne, nous pourrions l'appeler principe conscient. Ce principe conscient est un nœud d'énergie psychique, mentale, dont le noyau est la nature de Bouddha. Cette nature de Bouddha indestructible, qui a toujours existé et existera toujours. Dans le monde chrétien, on dit que l'âme apparaît avec la naissance du corps. Une demi-éternité, dans le bouddhisme, ça n'existe pas. On crée quelque chose d'éternel à un moment déterminé. Une demi-éternité n'existe pas et l'éternité est insécable. Alors, dans le bouddhisme, on n'emploie pas toujours le mot réincarnation, mais le mot renaissance. Pourquoi? Parce que l'on peut renaître dans d'autres mondes que les mondes animaux ou humains. Il y a ce qu'on appelle les asuras, les prêtas, les devas, et ainsi de suite. Alors, il ne faut pas rire de cela. Dans le monde judéo-chrétien, n'avons-nous pas les anges, les archanges, les chérubins, les puissances, les trônes, je vous les multiplie, et vers le bas.
Si nous avons Satan, nous avons Lucifer. Lucifer, Lux, Féro, qui porte la lumière. Nous avons Ahriman, nous avons Astaroth, etc. C'est-à-dire que ces mondes, en dehors des animaux et des humains, sont reconnus dans le christianisme. Il y a donc d'autres mondes. Eh bien, ce principe conscient devra avoir autant de vie qu'il est nécessaire pour parachever son expérience spirituelle. Et pour ça, il lui faut un corps physique de chair ou pas de chair, peu importe. Et lorsque cette expérience sera terminée, il atteint ce qu'on appelle le nirvana. Le nirvana étant le stade final de l'évolution spirituelle. Vous pourriez me dire, qu'est-ce que c'est, ce stade? Si je comprends bien, le but final, c'est de ne plus être de réincarné. De ne plus renaître. De ne plus devoir passer par tous ces modes possibles de réincarnation plus ou moins agréables. C'est fini. On les quitte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce stade final? C'est la compréhension complète des phénomènes qui nous entourent, mais plus une participation à ces phénomènes. C'est donc une connaissance totale que nous retrouvons, qui est inhérente à la nature de Bouddha. Dans le Zen, on vous dira par exemple, c'est la saisie immédiate et intuitive de la réalité des phénomènes. Bien, ce n'est pas extrêmement facile à comprendre quand on n'est pas familier du bouddhisme. Je voudrais quand même vous faire entendre l'interview que nous avons réalisée au temple bouddhiste de Huy, du lama Karta, sur cette vision bouddhiste de la réincarnation, si tant est qu'elle nous influence beaucoup en ce moment. Voilà 34 ans que j'étudie les textes et jamais je n'ai pu trouver le passage dans lequel on présente « Voilà, ceci est une méthode qui nous permet de nous souvenir des vies antérieures. » La pratique de la méditation permet de développer toutes les qualités inhérentes, toutes les qualités innées de l'esprit et que par après, a posteriori, on constate que spontanément, on développe aussi cette capacité de clairvoyance. L'erreur des Occidentaux consiste à tirer hors du contexte, en fait, ces choses en ne parlant que des vies antérieures et en s'imaginant qu'il faut se concentrer vraiment et avant tout sur l'explication, la connaissance et des réminiscences à propos des vies antérieures. Et tirer ainsi hors du contexte, on peut dire que de telles activités sont vraiment tout à fait inutiles et peuvent être considérées comme une perte de temps. Il y a des niveaux d'existence formels et informels aussi. Puis même en ne considérant que l'ensemble de l'humanité, les êtres humains, on constate qu'il y a une grande diversité en ce sens qu'il y a des êtres humains qui vivent comme un enfer. Il y a des êtres humains qui vivent comme des esprits avides, comme des animaux aussi. Et donc même à ce niveau-là, on constate qu'il y a là une grande diversité qu'il faut expliquer. Chez nous, on ne dirait pas que l'arbre serait un être vivant dans le sens où il posséderait un esprit, par exemple. Mais par contre, on peut s'imaginer que telle ou telle existence formelle s'installe dans un arbre. Comme le dit le Bouddha d'ailleurs, si vous voulez savoir comment ont été vos vies antérieures, regardez votre corps. Et si vous voulez savoir comment seront vos vies ultérieures, regardez vos actes. Oh là là. Bien, attendez, oui. Vite, parce que je voudrais quand même donner la parole à ces jeunes gens et jeunes filles qui ont témoigné tout à l'heure. Exactement, et qui, par le bouddhisme, ont fait des régressions. Alors, ici, le lama a l'air de dire que c'est inutile de faire des régressions. Le fait. Demandez à ceux qui l'ont fait si c'est inutile. Monsieur Johan Svi. Non, monsieur Leroy, ne parlez pas à sa place. J'interroge monsieur Vi. Merci de m'accorder la parole. Voilà, oui.
Eh bien, le fait d'avoir pu profiter d'une régression m'a permis de comprendre certaines difficultés de ma vie actuelle et aussi de prendre conscience de la responsabilité que j'avais envers ce passé chargé pour remettre, disons, des poids sur le côté positif de la balance. Mais est-ce que vous êtes sûr que ce que vous avez vu sont des vies antérieures ou bien, disons, qu'une bonne psychothérapie aurait fait le même effet ? Eh bien, je pense que je suis tombé à la bonne enseigne maintenant avec un maître spirituel de valeur, mm-hmm. bouddhiste. Oui. S'il avait été d'une autre religion, je l'aurais accepté aussi. Bon, il est bouddhiste, ça ne me dérange absolument pas. Entre-temps, j'en suis content. Donc, vous pensez que le fait de connaître ces vies antérieures, si tant est que ce sont des vies antérieures que vous avez vues, ça a le même effet qu'une bonne psychothérapie ? Je ne pense pas, parce que, très franchement, j'ai l'impression que le suivi qu'on a auprès d'un maître spirituel digne de ce nom mmh. est beaucoup plus, pas seulement sérieux, mais humain et sincère. C'est une espèce jusqu'au boutisme de la part du maître. Oui. Je voudrais demander à Madame Knapkens, qui n'a pas eu encore l'occasion de s'exprimer jusqu'ici, et qui reçoit des personnes qui souhaitent connaître leur vie antérieure, comment elle procède et si c'est vraiment un acte de thérapie ou bien est-ce que ça peut passer aussi pour un exercice un peu bizarre de la médecine. C'est pas du. Mon avis, c'est pas du tout bizarre, mais je crois pas que c'est nécessaire de laisser tomber l'accent sur la réincarnation dans la thérapie. C'est un moyen, oui, mais c'est pas nécessaire de garder les vies antérieures pour aider les gens. Ça dépend un peu. Et pour moi, ça me reste égal si les gens croient dans leur vie antérieure ou pas. Non, mais est-ce que vous, par exemple, vous voyez les vies antérieures des gens ? Il faut expliquer un petit peu que oui. vous voyez... Ah, oui, mais pour moi, ça, c'est quand vous avez chose. Quelqu'un qui arrive chez vous, qui a envie d'être ouais. aidé, ouais. Bon, vous ne niez pas toute cette possible thérapie sur les vies antérieures. Alors, qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Mais dans le commencement, on garde la vie de maintenant. Mais qu'est-ce que vous voyez ? Quand vous voyez la personne, qu'est-ce que vous voyez ? C'est difficile à expliquer parce qu'on garde... Mais vous dites que vous lisez l'aura. Oui, oui, mais on garde la totalité. Et la totalité, c'est le corps physique, oui. le corps émotionnel, mmh. le corps astral et le corps de l'âme aussi, enfin l'âme même. Et vous voyez c'est et ça donne, et ça donne tant de l'information sur tous les terrains. Mais pas nécessairement sur le terrain de la réincarnation. Non, mais vous m'avez dit, vous pouvez éventuellement, à la demande d'une personne, voir ses vies antérieures. Alors, c'est encore différent. Oui, si c'est vous nécessaire, qui les voyez, oui. Et vous si les voyez c'est nécessaire comment pour lui. Vous les voyez comment C'est presque comme un film, mais sans tous les détails. Parce que pour moi, c'est nécessaire de tirer la liaison entre les problèmes d'émotion de maintenant et la liaison... qui vient peut-être d'une autre vie, mais pas le nom, pas le temps. Pour moi, ça, c'est pas nécessaire. Vous avez à côté de vous quelqu'un qui a, disons, travaillé avec vous là-dessus, oui. Madame de Penningen. Vous avez découvert vos vies intérieures par l'intermédiaire de Madame Knapkens, vous les a révélées. Mais c'est-à-dire que j'ai été en contact avec elle à cause de problèmes relationnels oui. avec certaines personnes. Mmh. Que je lui ai donc posé la question, j'ai un problème tel et tel avec telle personne, je ne vois pas dans cette vie-ci quelle en est la cause. Et alors, elle a regardé quel était le problème et d'où venait le problème dans une vie antérieure. Et qu'est-ce qui se passait dans cette vie antérieure ? Vous étiez quoi ? Oh, j'en ai tout un tas, elle ah, m'a oui. expliqué un tas de choses. Oui. Et elle est donc passée vers la relation mmh. avec la personne. Dont il était question à ce moment-là. Elle m'a expliqué ce qui s'était passé dans cette vie-là, qui pouvait provoquer un problème, fût-ce une angoisse ou autre chose, et quelle pourrait être la solution. Et après, vous vous êtes senti bien. Et après, je me suis senti bien, j'ai su où était le problème, j'ai éventuellement su si la personne avec qui il y avait un problème était en état de parler de ces choses-là. J'ai pu aller m'expliquer avec cette personne.
on a pu voir ce qui s'était passé et qui appartenait à une autre vie et avec laquelle on n'avait plus rien à faire maintenant. Et ça solutionnait le problème. Oui, M. Nalès. Mais ce qui est important dans tout ceci n'est pas de se disputer pour savoir s'il s'agit d'une réincarnation ou non. Hein. Non, le terme n'est pas exact. Ce qui est important, c'est l'information qui se trouve mémorisée. Si cette information est susceptible de donner des traumatismes, de donner des problèmes de santé, des problèmes de comportement, il est intéressant d'aller la chercher. À savoir si cette information vient de cette vie-ci, parce qu'il y a effectivement des psychothérapeutes qui s'intéressent sur de l'information provenant de la première enfance, ou si c'est d'une vie antérieure, c'est pas ça qui est important. D'autant plus que dans le bouddhisme traditionnel, l'individu n'existe que dans la manifestation ici. Toute l'information est retransmise aux mémoires akashiques à la mort et redistribuée dans les nouvelles naissances. Il n'y a pas d'individualisation d'une réincarnation au sens bouddhiste ésotérique du Nord. L'individu existe dans une manifestation. Alors l'information se trouve dans l'individu, c'est évident, mais qu'il en soit propriétaire ou non n'est pas important. Donc ce n'est pas possible de savoir si... Mais ce n'est pas important de savoir si c'est une réincarnation. Oui. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il y a comme information, parce que ça, on peut s'en servir. Je voudrais passer à plusieurs chapitres. Il y a que plus on est fasciné par les vies antérieures... Oui. Plus le moi grossit, il y a comme une sorte d'inflation de l'ego. Absolument. Et qui, en fin de compte, expose à de plus grandes souffrances encore. Et si, d'aventure, on découvrait des facultés paranormales, un bouddhiste irait se confier à son maître et lui dirait « continue à méditer, ça va passer ». Oui, mais les facultés paranormales sont un des pièges du chemin, voilà. Mais c'est un passage du chemin. Oui. De la même façon, nous sommes en train de parler des réincarnations qui sont absolument anodines et inintéressantes. Mais oui. Oui, je passe pour un spécialiste de la réincarnation que je ne suis pas. Venant d'un milieu athée, ça a été ma première entrée dans le monde de la spiritualité. Mais Dieu sait que j'ai abandonné ça très vite pour chercher à l'intérieur de moi la vérité. Ça a été simplement le début d'une recherche personnel. Et là, je vous rejoins. Mais oui. Et là, je dis avec le lama qui est passé tout à l'heure, il a raison. Les réincarnations ne nous servent à rien, simplement à nous dire qu'il y a une transmigration des âmes, une réalité. Et donc, le moment présent est essentiel à la charge de ce que nous allons mettre dedans, qui ça va être déterminé le futur, donc du danger colossal de nos actes aujourd'hui même. Et c'est le fameux zen, le tout de suite, c'est-à-dire la responsabilité. Exactement. Et le Christ le dit aussi. Je voudrais passer la parole à François Reckmans. François, d'abord une objection justement à propos de ce qu'on vient de dire. Oui. Comment se fait-il que la population augmente si nous sommes tous dans un cycle de réincarnation? Comment se fait-il que la population augmente s'il y a migration des âmes, comme vient de le dire Paco Rabanne? Et au fond, est-ce que la réincarnation, croire en la réincarnation, est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière nier la progression ou l'évolution de l'homme? Et puis cette question, comment est-ce qu'on peut affirmer que ce n'est pas le subconscient ou l'inconscient qui travaille? Est-ce qu'on ne peut pas simplement se dire que les gens imaginent leur vie intérieure? Oui, je crois qu'il faut quand même le dire. Mais c'est de ça qu'on parlait avant. Quand on écoute ces histoires de vie antérieure avec une oreille vaguement psychanalytique, il est très clair qu'il s'agit quand même de réalisation de désirs. Très souvent, ce sont simplement, comme le disait un psychologue, des rêves éveillés qui sont vécus avec beaucoup plus de sérieux. Et vous avez très bien vu que les gens se réincarnaient tous dans des incarnations infiniment plus flatteuses. Pas du tout. Là, le monsieur vit, justement. Lui, c'est la première fois, je crois. Et lui, au moins, il le fait dans une tradition avec... Je m'élève en faux. Je m'élève absolument en faux. Je reçois 200 lettres par jour, depuis que j'ai écrit ce livre, de gens ayant vécu des vies passées. Ils sont pas toutes prestigieux. Aucun ne se dit ni roi, ni reine. C'est faux. Ça, c'est les gens incrédules qui disent cela. Il dit ça comme ça au jugé et au chic. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Vous n'avez pas bien écouté le reportage, là, Non, j'en ai entendu un. Moi, j'étais prêtre, je n'ai jamais été. Et à l'âge de 7 ans, vous dites que je faisais des fixations ou des rêves d'assassinat. C'est ridicule. Oui, mais vous étiez au moins un grand prêtre qui assassinait un pharaon. C'est pas si mal. Pas seulement. Pour un athée, c'était très bizarre, en tout cas. Oh, c'est quand même un milieu chic, hein. Mais à l'époque, quand je compare avec vos incarnations précédentes, vous êtes plutôt... Mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était qu'un pharaon. J'avais 7 ans dans la Bretagne bretonnante. Non. Non.
Bien sûr que non. On n'a ni radio, ni journaux, ni télévision. Je ne savais pas ce que c'était un pharaon. Maintenant, il est vrai que dans la mouvance New Age, il est très clair que la demande dépasse l'offre. Il y a beaucoup plus de Nefertiti que d'âmes disponibles de Nefertiti. Ça, c'est tout. Oui, mais et en plus, vous savez que autant d'âmes aujourd'hui, il y a un aspect folklorique 5 milliards, aussi, parce que si nous passons du minéral au végétal, à l'animal, combien de plantes avons-nous tuées? Alors, répondons à la question. Combien d'animaux avons-nous tués qui se réintègrent en âme? C'est la progression. Ça part du minéral pour monter vers la divinité, l'involution, l'évolution. Et toutes ces âmes viennent de tous ces arbres abattus, de tous ces animaux. Mais comment expliquer que la population augmente, même si on s'en tient à la stricte doctrine bouddhique? Il y a un réservoir d'âmes plus important que de réincarnation. J'ai pas de réponse à ça. Elle se trouve dans le bar de Teudol, la réponse. C'est-à-dire dans le monde des morts? Non, dans le livre des morts, le bar de Teudol. Le bar de Teudol dit que tout bodhisattva est capable de créer... Oui, mais attendez, on ne comprend pas. Okay. Un esprit qui a un certain niveau d'évolution peut, de sa propre initiative, créer un nombre infini de tulku, c'est-à-dire de copies d'une partie de son esprit. On ne se comprendra jamais si on ne définit pas ce que c'est l'esprit. Et spirituel, tout ce qui correspond au fonctionnement de l'esprit, c'est-à-dire du traitement d'information. Or, l'information, ça se copie. Quand le Christ dit, pour entrer dans votre jeu, qu'il doit mourir pour se redistribuer sur tous les autres, il fait des copies de sa propre nature. Et ça, c'est justement le traitement de l'information. Et tant qu'on reste sur des hypothèses trop matérialistes, on ne se comprendra pas. Le bouddhisme non, est ternaire, pas binaire. Oui. On parle d'esprit. Alors bon, c'est trop complexe pour une première fois. Je voudrais revenir aux choses dont on a entendu parler ici dans notre petite civilisation. Oui. Ici et maintenant, on parle des esprits, des fantômes, etc. Vous, par exemple, vous pensez que les fantômes existent. Est-ce que les fantômes, ce sont des esprits qui n'ont pas pu se réincarner? Moi, des fantômes existent, j'en ai rencontré. Oui. Et je me suis amusé à enlever des fantômes, c'est-à-dire des âmes qui, au moment de la mort, se sont raccrochées vainement, et ne voulant pas mourir, à des lieux, à des pierres, et qui se manifestaient dès qu'un médium rentrait, se servant de la puissance énergétique du médium, pour se manifester et créer leur appel au secours. Voilà. J'ai toujours considéré les fantômes comme des appels au secours, et comme je connaissais ma grand-mère, m'avait appris des techniques, je connaissais les techniques de magie blanche, des quatre bougies qui créent un champ ascensionnel, une certain type de prière, je désengageais ces âmes en leur demandant de monter vers la divinité, vers la lumière. Donc les lumières qu'ils entrecroisent. Ce sont des âmes qui n'ont pas pu... Oui, c'est sur le plan intermédiaire, le bas astral, où les gens sont restés bloqués. Au sol. C'est toujours le même piège. Hein. C'est de l'esprit mémorisé, c'est pas l'âme. C'est de l'esprit mémorisé. Bon, alors comment est-ce qu'on explique le spiritisme? Il faut quand même qu'on regarde ce portage sur le spiritisme. Vous savez, attendez, je voudrais vous couper, vous dire une chose. Tous ces gens qui ont un langage châtié, des informations colossales, ne m'empêcheront pas de dire que le berger qui garde ses moutons, qui n'a aucune connaissance de quoi que ce soit, atteindra plus facilement la divinité que tous ces gens qui emploient leur cerveau et analytique. Par le cœur qu'on atteint Dieu. Bien, alors je voudrais qu'on regarde quand même, avant de se quitter, ce reportage sur le spiritisme. Ben, c'est une séance qui se déroule près de Liège, avec deux personnes qui sont d'ailleurs venues nous rejoindre. On va les regarder parce que je pense que c'est quelque chose qui imbibe très très fort, disons, notre conscience d'occidentaux aujourd'hui. Y a-t-il un esprit à la table? Si vous êtes là, voulez-vous bien vous manifester, s'il vous plaît? Allez, cher ami, faites un effort pour vous manifester. On vous remercie. Êtes-vous venu pour quelqu'un qui est ici à la séance? Est-ce que vous êtes venu pour donner un message? Connaissez-vous le principe de la table parlante? Voilà.
Je vais d'abord commencer par vous poser certaines questions. Est-ce que vous pouvez me donner les deux premières lettres de votre prénom, s'il vous plaît? Allez-y. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Est-ce la lettre M? Un coup pour oui, deux coups pour non. O, P, Q, R, S, T, U, V. La lettre V? Le message maintenant, que donne-t-il? Rue Balou, PPB. Le message ne veut absolument rien dire. Maintenant, on va vous demander de lever deux pieds de la table. Laissez la table sur un seul pied. Allez-y. Penchez bien la table et d'un coup, vous levez l'autre pied. Voilà, c'est très bien. Penchez bien la table. Maintenant, faites tourner la table sur un seul pied. Plus vite. Sur un seul pied. Plus vite. Voilà, merci, c'est très bien. Sur le plancher, il est venu le frapper. Bon, Kroll, vous ne croyez pas aux tables qui tournent. Yves Aumont, bon, le spiritisme, je sais que c'est un de vos dadas, mais non, mais on le arrive spiritisme, à la fin. Je crois que c'est là qu'il y a le tournant. Oui. Spiritisme. Qui a fait que la réincarnation qui faisait peur est devenue un idéal optimiste parce qu'un instituteur socialiste qui faisait tourner les tables a voulu fournir une religion, Allan Kardec, a voulu fournir une religion où les masses populaires soient à l'abri des curés. Et il avait, je comprends très bien ce désir. Et à ce moment-là, il a décidé que les lois du progrès allaient s'adapter aux vies futures qu'on aurait, et qu'on montrait toujours, Alors la réincarnation qui faisait peur à tout le monde, mais ça c'est une promesse de type promesse électorale. Je crois qu'on aurait tort de s'y fier. Oui, mais alors, attendez, qu'est-ce qui fait tourner la table, si tant est qu'elle tourne? Bon, est-ce que c'est une âme c'est qui n'est pas réincarnée? C'est le médium, moi je l'ai fait à 14 ans. C'est en poussant sur la table. Non, non. Moi, je l'ai fait à 14 ans, incrédule. À l'époque, j'étais athée, je ne croyais pas en Dieu. Et une femme russe qui habitait en face de chez moi me dit, toi, tu es un grand médium, viens, on va faire du spiritisme, toi et moi. J'ai dit, d'accord, on le fait en plein jour, fenêtre ouverte, parce que je ne crois pas à ces conneries. C'est comme ça que j'ai parlé. J'ai fait le spiritisme, ça a marché tous les deux, ça a été extraordinaire. Et un jour, je devais passer le bac au lycée des Sables-d'Olonne, le censeur ne voulait pas me présenter. Alors j'ai demandé à la table les sujets du bac, je les ai eus et j'ai passé haut la main. Vous avez déjà essayé d'utiliser le spiritisme pour, je sais pas, pour gagner au loto? Non, pour nous c'est un moyen de croire dans la réincarnation, donc c'est une possibilité de communiquer avec le monde des esprits. Mais ça ne m'intéresse pas, moi, de demander à l'entité qui est à la table ce qui va m'arriver demain. C'est plus pour avoir une progression, pour pouvoir s'élever. Mais la séance de table en elle-même peut être très dangereuse si c'est Monsieur Tout-le-Monde qui a ça en main. Donc ce n'est pas un jeu. Dangereuse pourquoi? Parce qu'il y a aussi des entités négatives au niveau du spiritisme. Et pour vous le spiritisme prouve l'existence de l'âme, c'est une façon et de la réincarnation aussi. Voilà, c'est une façon d'avoir des contacts avec l'au-delà. Il parle de base astrale, c'est-à-dire qu'il confirme une fois de plus qu'il ne discute pas avec les morts, mais avec l'information mémorisée de ce qu'il a vécu, ce qui est totalement différent. Mais cette information fait bouger la table. Elle a une charge, cette information. Vous êtes physicien, est-ce que l'information fait bouger la table? Non, ce que je suis en tout cas comme physicien, qui fait bouger l'énergie du médium. C'est une énergie. Ce que je peux en tout cas confirmer comme physicien, c'est qu'il existe au moins un état où l'information peut être conservée sans support. Cet état, c'est ce qui se passe par exemple quand on a une émission TV. Nous sommes ici en train d'émettre toute une série d'images. Ces images sont prises par la caméra, elles sont envoyées par une antenne et reçues par une autre antenne. Entre les deux, toute l'information circule sans aucun support, ce qui est quelque chose qui est extrêmement interrogateur pour le scientifique. Nous avons au moins la preuve qu'il existe un état physique
où l'information se conserve sans support matériel. Bien. Ça, ça nous implique. Bien, M. Dallès, je crois que je vais considérer ceci comme la conclusion, parce qu'on me fait de grands Merci. Signes en disant que nous dépassons ici notre temps d'antenne. Bon, je vous rappelle que l'émission sera rediffusée samedi. Alors, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donnerai par téléphone ou mes collaborateurs toutes les références que vous souhaitez concernant les livres et auxquels on a fait allusion ce soir. La semaine prochaine, c'est une coïncidence de programmation, ou alors c'est le destin, je ne sais pas. Il sera question encore de religion et de spiritualité avec un débat sur Jésus, moralisateur ou visionnaire. Christian Druitt vous proposera ce thème après le film Jésus de Montréal. Et ici, dans 15 jours, eh bien, nous parlerons de la vieillesse, comment éviter le naufrage après le film en première télévisée Tati Daniel. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Faites quand même de beaux rêves. Passez une excellente soirée. Dans un instant, le journal de Paul Germain. Merci à tous. Je suis un béat d'admiration.